Donc aujourd'hui, c'est cette déco que je vais vous présenter pour le tutoriel. Donc allons-y. Donc j'ai déjà posé un magnifique vernis de base, vraiment je l'adore. C'est un vernis Color Club. C'est le Ultra Astral. Donc c'est un très beau vernis à paillettes que vous pouvez acheter sur C'est que pour nous. Ensuite, je vais utiliser de la peinture acrylique noire. Celle-ci, c'est de la Oumaxi. Et mon pinceau Raphaël. Donc pour cette déco, pas besoin de faire des traits trop fins. Au contraire, je peux pas trop vous donner d'indications. Tous les doigts ne sont pas pareils. Il faut le faire vraiment selon votre inspiration. Vous voyez, tous mes motifs sont gros à la base et finissent en pointe. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez c'est beaucoup de pointes et si vous faites des arabesques, ne les faites pas trop fines et trop enroulées. Voilà, c'est un peu des motifs façon tribal. Donc vraiment faites le motif comme ça vous vient, vous voyez il n'y a aucun motif pareil, ils sont tous différents sur chaque doigt. Par contre essayez de faire quelque chose en coin, vous voyez toujours, je fais toujours sur le même coin. Donc ensuite je vais utiliser ces motifs, ces water decals qui viennent aussi de chez C'est que pour nous. Je vais déjà commencer par découper le motif que je veux. Ensuite je prends ma petite coupelle d'eau et je mets mon water decal dedans et ensuite j'attends quelques secondes. Je vais ensuite repêcher avec ma pince à épiler mon petit water decal. Et je vais venir pousser le motif avec mon doigt. Quand il dépasse, vous pouvez l'attraper avec la pince à épiler. Et vous le posez là où vous le souhaitez. J'appuie très légèrement pour chasser l'air. Vous pouvez aussi le faire avec un petit mouchoir en papier. Je vais ensuite me servir de ma peinture acrylique blanche et d'un dotting avec un bout fin. J'ai trempé un petit peu mon dotting dans la peinture et je vais venir faire quelques points blancs. Maintenant je vais mettre mon top coat, mais il est possible que avec ce vernis à paillettes les petites fleurs fassent des mini trou. En fait c'est parce que le vernis de base et avec toutes les paillettes est assez granuleux, donc soit vous mettez, si vous voulez pas que ça fasse des tout petits trous, c'est vraiment très discret, franchement on le voit pas, mais si vous voulez vraiment que ça soit parfait, vous mettez un vernis plus lisse en base ou alors vous passez d'abord une couche de top coat avant de faire votre motif et de poser votre water decal. Et donc quand c'est sec, vous passez votre couche de top coat. Voilà donc ce que ça donne au soleil. J'espère que cette petite déco vous a plu et je vous dis à bientôt, bye bye.